Ouais, c'est pas très gentil quand même, hein. Allez les gars. Là c'est vous et moi sur la route. Je la kiffe bien cette petite caisse en vrai. Les gars, en vrai ça va, c'est clean je trouve. Je trouve que c'est clean. Ne bougez pas. Je vous baisse un petit peu le son pour pas que ce soit trop violent. Vous êtes déjà arrivé? Non, deux kilomètres. Moi je ne sais pas exactement où est-ce que c'est. Hein. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans le nord. Ouais, c'est tout dans le nord. Allez, let's go guys. Regardez-moi ce joujou. Je me suis renversé. Je me suis renversé. On arrive. Il y avait un bestiole sur la route et je l'ai évité et je me suis éclaté. Putain, j'ai les boules. Arrêté ou à peu près? Tout voyant t'envoie la position. Non, Frank, tu sais pas conduire, putain. C'est pas que je sais pas conduire, y'a un bestiole qui traverse la route, je l'ai évité, tu vois. Putain de chevreuil, ça fait mal. Bon, il a traversé, il est parti. Il est parti là-bas en bas, j'ai voulu l'éviter. Je me suis éclaté la gueule sur la rambarde. Oh non, bon, allez, monte. J'ai les boules. Bah oui, mais j'ai demandé au mécano. Je vous ai pas s'il viendra. Oui, bah j'espère qu'il va venir, mais j'ai des doutes. Hein. Je suis pas sûr. Bon, allons-y. Hein. Du coup, je vais devoir attendre la tempête pour récupérer le voiture. Il va se foutre de mon gueule, ce bâtard, tu vas voir. Oh là 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 là. Non, tout la ferme, tout fait. Non, tout la ferme, tout fait pas de commentaires. Tu fais pas de commentaires. Bon, du coup, c'est fermé depuis bien. Oh putain. Bon, du coup, les gars, on va où? C'est sérieux, man. Non, tout. Non, tout la ferme, tout fait pas de commentaires. Tu veux faire un commentaire? Trouve le chevreuil. Tout la ferme, c'est un putain de chevreuil. J'ai essayé de l'éviter pour pas lui rentrer dedans. Qu'est-ce que tu fous là, hermano? Je t'explique. Comment t'as fait ça? Tu me laisses t'expliquer, s'il te plaît.
Te voilà, te vois. La sortie des virages. Non, non, je t'explique. Il y a un chevreuil, il a essayé de traverser. Il a traversé, il est parti là-bas derrière, te vois. Et moi, je l'ai évité. Sauf que quand je l'ai évité, la roue, elle a touché le barrière et je suis parti en sucette parce que j'étais à très, 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 très haute vitesse. Putain, pendant que moi et Taz, on faisait la course comme des pilotes, toi, putain de merde. Non, tout la ferme. Tout la ferme. C'est un putain de chevreuil, moi, j'ai pour rien. Du coup, j'ai pas vu si c'était ouvert. On va manger mon seum, hein. Ouais. Allez, je vous offre un peu de mon seum si vous en voulez. Ouais, vas-y. Là, je l'ai beaucoup fort. Ah, ouais, j'imagine que tu vas l'acheter là. Oui. La tempête. Oui, oui. Je suis dégoûté. Je peux pas appeler un mécano directement que lui envoyer un message. Je vais l'appeler. Non, il va bouger son cul, ce bâtard. J'en ai rien à foutre. Non, j'ai la boule, vraiment. Putain de chevreuil de merde. Je viens d'acheter la voiture, j'esquive une bestiole et je la crache. Je suis dégoûté. Il a intérêt à répondre le bâtard parce que je vais aussi lui faire mal, tu vois. Ah, attends, on m'appelle, je crois. Ah, c'est nickel. Bah oui, je pense. Et mon téléphone qui a vibré dans mon poche, j'ai pas eu le temps de décrocher, j'étais déjà en train de l'appeler, tu vois. Il va pas répondre, tu vas voir. Il m'énerve, hein? Il me gonfle. Hein? Putain, tu veux pas le prendre avec toi parce qu'il est un peu lourd, Franck. Ah, Franck. Allô? Oui, allô, monsieur? Oui, c'est le mécano là. Oui, par pitié, vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît. Je suis. Je suis pas bien. Ah, écoute, on va dire. Ouais, le régime, bah, en fait, je vous explique, il y a un chevreuil qui a traversé l'autoroute. Je l'ai évité, j'ai tapé la rambarde, j'ai la voiture qui s'est retournée. Oh putain de merde là. Oui, je sais, moi aussi je suis dégoûté, je viens de l'acheter, je vous le dis, je suis pas content, mais le chevreuil au moins il est vivant. C'est laquelle de voiture là? C'est en voiture, c'est en Aston Martin. Que vous avez changé la couleur. C'est le Aston Martin. Je vous remercie. Je vous ai envoyé les coordonnées sur le GPS, vous les avez? Ouais, j'en ai vu là. Je vous remercie beaucoup. Let's go sur la voiture, le mécano il arrive. Oui. Tu vas payer 2000 euros. Bah, je vous payerai 2000 euros, c'est pas grave, je m'en fous, je vais récupérer mon voiture. Je t'avais dit qu'il allait venir, ce bâtard de mécano. Putain, j'ai les boules, j'ai envie de le fumer, ce chevreuil, je vais le bouffer. Putain de merde, tu l'as inauguré ta première bagnole. Non, tout au tête, je vais manger le chevreuil. Je vais le trouver, je vais le fumer, puis je vais le manger, ce chevreuil. C'est quoi cette histoire de chevreuil? Je t'ai dit, il a traversé la route, j'ai voulu l'éviter pour pas lui rentrer dedans, sauf que quand je l'ai évité, j'ai pas eu le temps de contrebraquer et j'ai mangé le rambarde. Du coup, la voiture, elle est partie en sucette, j'étais à 200 km/h. J'ai des bons réflexes, mais quand j'ai tapé le rambarde, j'ai pas pour. Mais oui, non, mais oui, mais. Tu n'auras pas croisé un chevreuil. Oh, toi, dangereux, toi. Tu as failli rentrer dans Taz. Le mécano, il m'a dit qu'il arrivait. J'ai juste après le point, je crois. J'ai un coup de téléphone, je sais pas qui m'appelle, là. Moi, tout décroche quand on arrive. Ah, c'est John. Ouais, c'est génial ça, il arrive en avance. Oh là, Johnny. Dès lui qu'on a un petit problème. Attends, parce que là, j'ai mon frère qui a fait l'inauguration de sa première bagnole là. Non, tout au thé. Je te permets pas. Du coup, la bagnole elle est sur le toit et on attend le dépannage, putain. Taz. Où, toi? Taz. Je crois que je commence à en avoir marre de ce commentaire, je voulais mettre un baffe. Ah ok, on va venir. Et pour après, je vais aller chercher le chevreuil dans la forêt, je vais le fumer, je vais le bouffer. Attends, moi je vais chercher le chevreuil. Alors, ça va prendre 5 bonnes minutes, ok. Qu'est-ce que tu fous, quoi. Pablo, il m'a dit que demain, il devait se lever de bonne heure, tu vois. Parce qu'il a une chose importante à faire, je sais pas. Allô. Allô.
Vous êtes sur la route, moi, sur le mécano? Ouais, j'arrive là. Ah, vous êtes génial, je vous remercie. Il y a juste mon frère Franck, il y a mon frère Franck qui va t'expliquer quelque chose et après, comme ça, tu peux aller faire dodo. Deloué, attends, je vais l'appeler, tu sais quoi, je vais l'appeler. Nickel, ok, nickel. On va arriver, tu peux aller quelques 10 minutes, on va arriver. Je vais t'expliquer plusieurs choses. Vous voulez? J'ai pas, ni de la merde, j'ai la flemme, là. Non, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon voiture. J'ai la flemme, ouais. Je suis à pied, j'ai besoin de mon voiture. Vous êtes un bon blagueur, hein? Vous avez fait un bon blague, hein? Vous pouvez la relever, s'il vous plaît? C'est possible? Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit, je peux pas, là? Mais je vous l'ai dit que je me suis retourné à cause d'un chevreuil. Mais vous... Oui, j'ai envie de faire pareil. Aller-retour. Allez, on tombe ensemble. C'est à vous là. Oui, je suis d'accord. Je peux pas le dire, mais je suis d'accord. Oh là, sa mère. Y'a pas une dépanneuse que pour faire quelque chose? Bon, en fait, on a même pas de dépanneuse. On peut plus l'utiliser parce que. Et on peut pas le retourner, manuellement? Je pense que ton véhicule est mort. On peut pas pousser la voiture pour qu'elle se retourne un petit coup? C'est pas possible? Peut-être qu'avec les voitures on peut le retourner. Bah oui, c'est ça que je dis. C'est possible, vous croyez? Je suis pas maison, on n'a pas le droit. Ah, c'est interdit, putain de merde. J'ai appelé un papillon là. Tu vois, c'est ceux qui volent là. Oui, je les vois. Ah ouais. Et après, il va arriver. Il est beau gosse. Ça va te coûter un bras, tout ça, non? Oh, le papillon, il m'a touché. Oh putain. Venez, on danse dessus. Peut-être ça va. Venez tous à l'endroit où je suis. Des fois, ça marche. Attends, faut que Tony vienne. Non, mais juste Tony, je pense que ça fait le poids. Oui, il y a moyen, ouais. Il fait combien de kilos? Il faut 1,5 tonnes, hein. Ses commentaires, ils sont. Au pire, il faut lui demander de faire des commentaires. Ses commentaires, ils sont très très lourds, hein. Putain, je suis dégoûté, je vais le trouver. Vous avez pas un fusil? Je vais trouver le chevreuil, je vais le fumer, je vais le bouffer. Si j'ai un fusil là. Moi, c'est... il faut trouver le chevreuil, on va le fumer, on va le bouffer. Allô? Demandez à l'avion là-haut, il faut demander à l'avion. Il y a un avion là-haut, il faut lui demander. Tu crois que si je prie Dieu, il pourrait faire quelque chose pour moi? Je suis pas sûr. Oui, j'ai des doutes. Putain, mais quelle honte, sérieux. Bon, le papillon, il répond pas, hein. Le papillon, il répond pas, je vais avoir des problèmes, hein. Moi, je pense que tu veux surtout pas attendre une tempête. Bah, non, ça m'a posé un problème. Non, mais je sais qu'on a le droit au dernier recours de faire avec la voiture. Bah là, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Et même avec la voiture, je suis même pas sûr qu'on peut. Si, il y a une belle pente. Ah là là, hermano, t'en rates pas une. Non, tu fais plus de commentaires, je vais te mettre une baffe. Tu veux trouver le chevreuil pour le fumer, le bouffer? Vas-y, tu te rendras utile comme ça. Va dans la forêt, va chercher le chevreuil. Ouais. Je crois que le mécano ça lui plaît pas. Écarte-toi. Je crois qu'il va faire tout ce qu'il peut pour lui éclater sa tête. Hein. Il va s'embourber le monsieur. Il va lui mettre un choc psychologique. Putain. C'est chaud. Il a foutu une voiture. Bah, je crois qu'il n'y a qu'une solution, c'est la mettre dans le fourrière. C'est mort. Putain. Attendez, je vais voir si le papillon me répond. Je vous remercie. Tu arrêtes pas une fois. Non, tout au tête, tu arrêtes avec tes commentaires. Ça fait 3 tonnes de commentaires, tu arrêtes. Hein. Il m'énerve. Hein. Je suis sûr, avec la tonne de commentaires qu'il fait, elle se serait retournée. Hein.
Oui, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Ah, va falloir manger des épinards, Taz. Bah oui, mais lui au moins il essaye, il fait pas de commentaires. Il est gentil, oui, il essaye d'aider, tu vois. Que je salisse ma veste là à 10 000 dollars. Bah toi qu'à l'enlever. Putain. Ah, on peut demander. Je crois qu'ils en ont rien à foutre, hein. Je crois que c'est des étrangers surtout. Oui, c'est possible. Putain, je suis dégoûté, hein. Ah, j'ai envie de tout casser là. Et ça c'est le plus grave. J'ai essayé de me suicider, ça marche même pas. Aïe 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 aïe. Tu lui dis adieu jusqu'à demain soir, Herman. Oui, j'ai bien l'impression. Peut-être demain matin. Non, non, demain soir. Je peux vraiment pas. Hein. C'est vraiment niqué, je crois. Bah en fait, j'ai l'impression que le toit là. Il est bloqué sur un caillou, oui. Aimanté. Bah, je crois qu'il est bloqué sur un caillou. Ah ouais, on peut pas la pousser dans la pente en fait. Elle non, va pas non, tomber. C'est le toit, il est bloqué en fait. Je crois. Ouais, putain. Je vais essayer. Je crois que j'ai jamais rencontré un mécano qui donne autant d'eau à personne. Il donne tout ce qu'il a. Un foin! Putain! Ouais, ça. Non, c'est nickel. Vous avez fait. Je crois que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Ah ouais. Putain, je suis. Désolé, je vais la mettre en fourrière. Oui, mettez-la en fourrière, oui. Putain! T'as gagné une journée à pied demain, Franck, c'est bien ça. Tout la ferme. Toi, tu me ramènes, s'il te plaît. Parce que sinon, je vais le taper. Faut pas que je monte de la voiture avec lui, je vais le taper sinon. Oui, mais attends. Monsieur! Monsieur, mettez-lui aussi son chien en fourrière, ça lui apprendra, tiens. Il va faire des commentaires à celui-là, je vais lui apprendre. Oh putain, oh, c'est voiture. Il va lui éclater son voiture. Ça lui apprendra à faire des commentaires à celui-là. Regarde, il est en train de manger son seum, je crois. Je crois qu'il est pas à boire. Putain. Non, vous embêtez pas, vous avez fait assez, mettez-la en fourrière, hein. Mettez mon voiture en fourrière. Là, et c'est pas possible de dépanner. Désolé, monsieur. Non, vous avez fait, soyez pas désolé. J'arrive, Herman, on va venir te chercher parce que. C'est compliqué là. Hein. Y'a pas possibilité d'aller voir le fourrière, y'a pas possibilité de voir le fourrière pour qu'il le sorte. Non, malheureusement il y a plus de fourrière. Celui qui la faisait, Jean-Paul là, il est plus là. Putain, et vous pouvez pas mettre à engager un autre, non? Ah bah c'est pas moi.